Okay, this is not what I had in mind. But hey, I can improvise. Truc que tu fais jamais. Ah, ok, le tir. Pardon me, coming through. I'm gonna miss my match. T'es qui toi? Hello, Plan Beta. Hey, kid. Huh? Over here. Come here. T'es qui? T'es qui sur Internet? Once I've conquered the dark. T'es qui sur le chat? I'll never have to fear it again. J'arrive pas à reconnaître. Je te connais. On dirait les gardes dans FF7. Sauf qu'ils ont une mitraillette et pas une épée. On va chier, putain. Le gangbang. Santa Tsuken. Je l'ai recte. Je l'ai mangé au petit-déj. Peggy 18. Ah ouais, non, là, c'est... Ah, pour une fois que c'est moi qui viole... Un boss. Montrez sa tête. C'est qui? Hein? Stop it! The match is over. C'est Zack? He was a pushover before. What's gotten into him? It's not me. What? I'm not doing this. L'un viole des gamins, j'appelle la police. He's being controlled. C'est qui? So what do you think? You like my new super warrior? See, right here, this, it's the power of darkness. Would have been yours, still could, if you open up to it. Hades! You were just playing. C'est qui? The darkness will never have me. Je m'en fous de vos histoires, je veux juste savoir qui c'est. C'est Zack? Ah non, mais il fait trop jeune. Help me. You've gotta set my heart free. Battle soldat. Ah mais si c'est Zack, par contre c'est Zack enfant. Wow, wow, wow. Super, je suis super content, ça a pas marché. Ouais. Non. Et Sacha, elle t'appelle pas la police quand c'est un gamin qui me viole? Mais non. On soigne ici. Un Tatsuki. Yes. Ça je l'ai recte. Oh oui, le petit impact qui ne marche pas parce que évidemment fait lui-même une attaque. Dégage. Oh oui. Allez. Qui est le patron? Le major, je vois aucun problème.
Cette attaque, ça me rappelle un buzz en cache 3D. Bah, je verrai ça quand je ferai. Cache 3D. Forget it. It looks like I bet on the wrong dark horse. That kid doesn't have what it takes to handle darkness. What's your name? You gonna make it? S'il vous plaît. Yeah. I'm finally free. Where is... He's gone. Man, how could I let a guy like him control me? I'll never live it down. Thanks. Terra. Thanks, Terra. I'm Zed. Alors non. Non. Yep. Definitely. Terra. You're exactly what I pictured a hero would be. Non. Et non. Not the way you look. There's something else about you. Non. Well, I'm no hero. Trust me. Are you kidding? Listen to those cheers, man. You don't get to decide if you're a hero or not. They do. And they've already made up their mind. Whether you like it or not, you're their hero. And mine, too. It's too bad. I really wanted to fight you fair and square. Maybe someday, Zack. Birds of Prey se passe 10 ans avant. Je veux bien, 10 ans avant Kingdom Hearts. Là, Zack, on l'a pas vu dans Kingdom Hearts, donc il aurait très bien pu avoir une tête normale. Zack, c'est ça, vous voyez? C'est un. Voilà, c'est ça. Alors là, il a l'air d'avoir 8 ans, déjà, dans Birds of Prey. Et deuxièmement, dans quel monde Zack a une once de ténèbres en lui? C'est le mec. Le plus good guy de tout le monde du jeu vidéo. Ça a aucun sens. Symbole de héros. Keyblade vous procure un bonus de force important et flèche des dégâts plus lourds si vous assénez un coup critique avec. Ouh, on tasse. Souvent les Keyblades du monde d'Hercule. Moi je suis pas d'accord. Il est dans FF7, il est dans. Il est pas dans Final Fantasy VII parce que. Voilà. Il est dans Final Fantasy VII Crisis Core. On va voir le menu. Monde. Voilà. Impact Sonic. On va le mettre au niveau de la glissade comme ça. Ah bah je l'ai aussi de base avec l'autre. Ok. On a une compétence en plus ici à mettre. Mais j'ai déjà frappé. Ah non, j'ai pas frappé. Enfin, elle est pas équipée. C'est Estobrasio quelque chose. Qui se passe combien de temps par rapport au 7? Ça se passe avant le 7. Après, en même temps, si Kingdom Hearts gérait la temporalité, ça se saurait. Hein. Parce que je suis désolé, la Maléfique, elle a pas changé par rapport à Maléfique dans 10 ans. Hein. Donc c'est une excuse un peu bidon de me dire lol, c'est avant. Alors la magie, on s'en tape. Nous, on est fort. Captain Crochet? Is that you? Captain Crochet? Et mais là, l'image que tu as montrée, c'est un truc super récent, pas de 2010. Non, c'est un. Si, c'est 2010, il me semble, en plus. C'est un jeu PSP. Ou même 2009, peut-être. 2007, il est sorti. Leave them to me. Mais d'où je sauve Captain Crochet quoi. Merde! Putain, j'ai réussi à me gourer alors que c'est la seule touche que je spam. Ok, ça marche pas. Fils de pute. Mais arrêtez d'esquiver en allant sous terre, bordel!
Non, il a reculé. Ah non, c'est bon. Sans Tetsu, quel niveau 2. Nice. Tiens, on va essayer ce truc là. Voilà. Seule fois que je l'utilise de ma vie. C'est un singe. Un gorille. Et peut-être que Zack était jeune, a pu succomber aux ténèbres, pour ça, qu'en grandissant. Non. C'est le good guy héros par excellence. Clairement, un jour, je ferai Crisis Core en stream. C'est tellement l'un des meilleurs FF. Je peux pas dire le meilleur FF parce que il y a FF9, mais. Ouais. Ah! Mais. Je veux jouer! S'il vous plaît! Mon perso il reste stun là pendant 10 ans. Aucun sens. Je meurs contre des mobs de base quoi. Le feu! Le feu ça brûle. Et l'eau ça brûle. Avant je ferais ce monde là et après du coup je m'arrêterai. Because stream de la Tenocon. Faut que je regarde. Fou juste hein, bordel. Impact critique, j'adore cette forme. Ça se passe à la même époque que FF7, vu la relation Cloud Sephiroth. Du coup, ça se passe vraiment 10 ans dans l'univers. Quoi ? En vrai, déjà, si tu veux me parler de cohérence, déjà normalement, bah, Sephiroth est mort, donc voilà, ça marche pas. Et Mais je veux jouer. Alors il y a peut-être pas 7 ans d'écart entre FF, quoique. Non, il n'y a pas 7 ans d'écart, mais ça se passe un peu avant. Enfin, Zack aurait pas 12 ans, tu vois. Zack aurait pas 12 ans. If I desired your assistance, I'd have demanded it. We had the situation under control. Isn't that right, Smith? Et cache, un se passe pas pendant FF7. Oh, yes, Captain, completely. We would have cleaved those fiends to the brisket, we would. Why, I'd have given him a little. Impossible. Ou alors il y a des incohérences. And don't think your efforts mean you'll get a share of my treasure, understand? I'm not after your precious box, Captain. I'm looking for a person. A boy, wearing a mask. Ring any bells? No, not a one. Figures. It's me, your blithering barnacle. We're off. We shall leave this place before the light draws them back again. Oh. Hey, hold on. What did you just say about the light? Ah, yes, it's heartbreaking, really. This chest, you see, contains light gathered from all around.
and I've got an acquaintance, a boy, who's sure to try and seize it. A boy who's after the light. If it's not Vanitas, then who? Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you. What's his name? Peter Pan! Du coup, ça a pas de sens parce que si ça se passe pendant FF7 et que Iris est toujours vivant et que Sephiroth n'est pas mort, tout ça, enfin bref, que ça se passe du coup au début de FF7, on va dire, Cloud n'aurait pas son aile et il n'y aurait pas cette tenue. Et là où il n'y a aucun sens de temporalité dans Cash, regarde là les deux persos. 10 ans après, ils ont pas pris une ride. Donc voilà. La petite carte. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Lancer bloquant. Toi, la cubelette de glace et la lancer. Ah, les trucs lancés, c'est de la merde. Sauf que c'est pas la même explication pour l'aile. Quoi? Pensez sur l'ennemi tandis qu'un cercle de feu gravite autour de vous et frappe les cibles à plusieurs reprises. Ça, ça a l'air fort. Je prends. Ça, c'est un peu nul du coup. Lunch chute. Appelle ça la crème rajeunissante made in Disney. Ben, même pas, parce que par exemple, Mickey est plus jeune, parce que là, on l'a vu pendant sa jeunesse, ça. Mais les autres persos. C'est les ténèbres, un truc comme ça. Ah oui, non, mais pour le coup, l'aile a vraiment une histoire quand dans FF7, donc du coup, tu peux pas choisir les trucs qui t'intéressent, Knox, juste pour expliquer un truc, ça a pas de sens. Wow. Yeah. Putain, c'est trop fort. On n'a pas repris l'histoire de l'aile pour FF7. Ouais, donc c'est chelou. Pour Cash. Oh. Alors. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là la petite musique, ça me fait énormément penser à Dofus. C'est le même genre de musique. C'est ouf. So much feelings. Oh. Je comprends pas pourquoi je suis en impact critique, mais... Du coup, l'âge de Zack est pas incohérent, il a entre 6 et 13 ans. Bah du coup, il serait pas dans le soldat. On injecte pas du Mako dans... Mais... Or des gosses qui ont entre 6 et 13 ans. Comment je fais pour sortir... Allez. Le Mako, si t'as jamais fait, enfin si tu connais pas FF7. En gros, le Mako, c'est l'énergie de la planète, c'est un truc un peu, imagine, de l'uranium.
grosso modo. Et en fait, ils en injectent dans des soldats d'élite. C'est une entreprise qui fait ça pour créer des soldats super puissants. Et Zack est un soldat, et là il avait la tenue du soldat. Parce que le soldat c'est aussi le nom du groupe armé, on va dire. Mais l'autre il est parti se suicider dans la flotte. Ouais, dans le stream précédent j'ai vu Roxas, ça devait pas être un nourrisson. Alors non, tu as vu Ventus. Pour l'instant je sais pas pourquoi Ventus a la même tête que Roxas. Pourquoi pas? Bah parce que ça le tuerait, le gosse. Attends, ils s'irradiaient plus jeunes, ça leur donne un meilleur effet. Non, non. Ah non, parce qu'il faut qu'ils puissent survivre aussi. Le problème. Après, je vais pas spoil parce que. Enfin. Je vais pas spoil Crisis Core parce que si je le fais un jour, ça serait. Donc, j'ai ciblé un perso, mais en fait, je suis parti sur le. Ah, tu sais pas encore pourquoi tu ressembles à Roxas? Bah non. J'ai commencé le jeu hier, hein, je. Parce que Radia, un enfant de 16 ans, est pas mortel. Bah, moins, a priori. Parce que genre il doit monter des échelons et tout ça. Ouais. C'est pas lol. Mais les soldats non irradiés ils sont nuls à chier quoi. Donc ça m'étonnerait que ce qu'on voit Roxas en non irradié, ce serait. Enfin il serait nul quoi, normalement. En vrai. Se fait irradier au début du jeu. Oula. Non, je crois que c'est après. Mais... Au début, t'es juste un simple soldat. Je sais plus. Enfin, un simple soldat. Juste. Enfin, t'es au point juste avant de se faire irradier, quoi. Je suis perdu, attendez. C'est quoi le. J'arrive pas à comprendre. Le truc rouge qui est là. Ça doit être en haut. Ouais. Faudrait que j'utilise un peu les liens dés quand même, hein, un jour. Ah, ça passe. Ah bah tiens, on peut même se le faire exact. Oh, j'en aurais besoin, évidemment. Allez, au rocher du crâne, allez. Ah. Mince, et du coup. Attendez, hein, les gars. Bougez pas. Avec son casque moche. C'est tellement un de mes persos préférés de Final Fantasy, Zack. Entrée de héros. Take that. Alien, je vois ces barres depuis longtemps. Mais c'est quoi, il y a un dé et con. Alors,
Lien D, c'est en gros, c'est un lien dimensionnel avec une autre personne, du coup, t'as les compétences d'une autre personne. Et Conk, c'est de la merde. Why, what if it's really a big, enormous, priceless gemstone? Idiot! Why didn't you tell me? Hmm? Bonsoir, Speedo. I have a bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. That old codfish looks like he's found himself a new flunky. Vous allez bien? Bah écoute, oui, ça va, et toi, Speedo? Men, you move in and nab the treasure. Are you Peter Pan? En fait, Desmond, j'ai pas expliqué parce que je voulais lui montrer en combat. Plus que je l'utilise jamais, au moins. Ça me permettra de l'utiliser. C'est ça. Ok, sauf que je sais pas l'utiliser. Okay, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, et là du coup t'as plein de trucs qui volent et qui vont sur la... Ouais, c'est puissant. Ah, c'est chiant. Mais reviens. T'as un Tatooken. Fils de... Je connais pas ta mère, Peter Pan, mais... Mais j'ai fait mon contre. Ok, je le déteste. Mais pourquoi déjà ils mettent que des ennemis qui volent? Mais ok. Yes, voilà, je le touche. C'est bien, ça a fait zéro dommage. Plutôt content. Je l'ai évité, on va dire que c'est plutôt pas mal. Tu as aimé Cage de... Oui, la musique de combat préférée de Cage. Ah ouais? Ok. Oui, j'ai fini de bosser toi. Hein. Light? What light? Look, Pan! We got the chest! No! Not yet, you blockheads! Hey! Now what is this? Pirate treasure, of course. Jewels, doubloons, you know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot? Sounds like you've been tricked. I'll say. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives!
Aye, aye, sir! You go and get him, Pan! Well, I should be on my way. Ah, prends quelques pièces, non? Cool, j'ai un lien avec Peter Pan. Super. Donc là, il n'y a pas de coffre, hein. Et là, c'est Cthulhu. J'aime bien quand le jeu commence à partir sur des musiques techno. Alors, bon, ils vont attendre un peu. Hein. D'abord, je vais me soigner, je vais attendre que les gens reviennent. Tenokan à minuit, oui. C'est inhabituel. Pourquoi tu dis inhabituel, Desmond? Qu'est-ce que tu trouves inhabituel? Oh là là, le pirate avec une moustache de méchant m'a menti, je m'y attendais pas du tout. Bah, elle le connaissait pas. Oula! Non. Encore une fois, cette masse de... Ah non, fais pas n'importe quoi avec les pièces! Faut tellement que j'ai la forme de glace ou de feu, peu importe. Forme de feu. Bon, c'est parfait. Non. Surprise. Mais... Yes. L'impact, c'est pas mal aussi l'impact. Le problème c'est que l'impact au sol, bah ça va pas les tuer. Ah si. Si oui, si, si ça marche, j'avais oublié. Allez! C'est celle qui m'a le plus marqué quand j'étais petit et que je jouais aux deux. Ah, mais je comprends ta quête, c'est juste que perso, c'est pas celle qui m'a le plus marqué. Ils ont pas fait long feu! Feu! Non? On va essayer. Go hide. Go hide. Fine. All's well. Il y a le trésor éparpillé partout au sol, mais. What's that? Tinkerbell, one of Peter Pan's dearest friends. Can I take a look? Ah, et au fait, Speedo. So long as I have his precious pixie, Pan's demise is all but assured. Bouge pas. Regarde ça. You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny, and you'll walk the plank for it. Et Donald, il n'existe pas. Hérétique. Mais non. At every star up there is another world. Huh? Terra. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. Si j'ai bien compris, il y a une ellipse, c'est ça? What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? Ou alors c'est dans le passé. Ok, c'est un flashback. Non. C'est tellement pas clair les flashbacks dans Cage, putain. Ou les ellipses.
Ok, c'est un flashback. Oh, so much for the pirate treasures. Did you guys really want the jewels and gold that badly? Nah, we don't care about that stuff. But Pan was counting on us. I'll tell you what. Put the stuff that's really special to you in there. That can be your treasure. Yeah! Real swell idea. Thanks! Il y a tellement un cosplay de personnages de Sonic. Kind of makes me wonder what I'd put in there. Rameau de fée, compost, ça fait procure un bonus de magie. On l'équipera jamais, du coup. Saint Seiya. Quoi de neuf, Seiya? Quoi de neuf, Seiya? Quoi de neuf, Seiya? Ta gueule! This light. It's so warm. Ça s'appelle la mort.